Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose toujours l'analyse des performances de nos internationaux avant, en tout cas, ces deux matchs qui nous restent pour tenter de nous qualifier à la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Vous le savez, la République démocratique du Congo doit affronter le 25 mars prochain, le Gabon à Libreville, la RDC qui devra éviter toute défaite qui serait synonyme d'élimination précoce dans ce groupe dominé par la Gambie et le Gabon 7 points, et la RDC qui vient en troisième position avec 6 points, la RDC qui s'était relancée lors de la quatrième journée en battant l'Angola à domicile par 1-0. On se souvient de cette belle frappe de Niskens Kebano qui ouvrait le score après plusieurs tentatives sans succès. Et la République démocratique du Congo, vous le savez, procède déjà à la présélection des joueurs qui devront jouer ces deux matchs. D'abord le 25 mars contre le Gabon, ensuite ici à Kinshasa le 29 mars à la réception de la Gambie. Et parmi les joueurs présélectionnés, surprise, on retrouve même un joueur congolais évoluant du côté de la Tanzanie. Nous nous posons la question de savoir sur base de quels critères le staff technique a choisi ce joueur. Nous allons essayer de répondre à cette question en faisant une petite analyse. Mais en tous les cas, c'est son club qui a annoncé la nouvelle de la présélection de son poulain. Il s'agit bien du club de Young Sport, Young Africa, qui a annoncé la présélection de son joueur, l'ancien joueur de l'SV Club, milieu de terrain Moukoko Tonombe. On sait qu'ils avaient été transférés à Young African par ensemble avec Tussila, les deux milieux, et avaient été accueillis. Je me rappelle encore de leur départ à Dar es Salaam, ils avaient été accueillis par un public nombreux. C'est dire que les Tanzaniens, en tout cas les supporters de Young African, comptaient beaucoup sur eux. Et visiblement, Moukoko Tonombe ne leur aura pas déçu puisqu'il a confirmé des belles prestations depuis son arrivée en Tanzanie. Donc, le club de Young African a annoncé la présélection de son milieu de terrain, Moukoko Tonombe, avec l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. A noter aussi que Moukoko Tonombe, qui évolue plutôt bien, j'ai eu à voir l'un de ses buts dans le championnat tanzanien, d'une très très belle frappe à l'entrée de la surface de réparation. Moukoko Tonombe a peut-être un tout petit peu progressé en Tanzanie, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il a d'ailleurs été plébiscité comme meilleur joueur du mois de janvier par son club, les Young African SC, et l'international congolais a également remporté cette distinction pour la troisième fois de suite après celle de novembre et de décembre. C'est dire que ses performances du côté de la Tanzanie confirment un peu toutes ses attentes. Mais alors, est-ce que cela est suffisant pour le voir être présélectionné en équipe nationale, surtout au moment où la RDC cherche une qualification, a besoin en tout cas des joueurs les plus performants actuellement et dans des championnats de haut niveau pour affronter une équipe gabonaise qui aura en tout cas des joueurs évoluant en tout cas dans des championnats de haut niveau, et également la Gambie qui a beaucoup de joueurs qui évoluent en Europe. On a l'impression que la Gambie n'est pas trop pipée, on fait pas attention, mais finalement sur le terrain, une fois que vous y êtes, vous vous rendez compte que c'est une très très belle équipe avec une ossature composée en tout cas pour la plupart des joueurs professionnels et qui sont titulaires dans leur club pour la plupart, et surtout en Europe, en Italie, ils sont en nombre. Donc la RDC doit pouvoir sélectionner les meilleurs qui soient capables, qui soient physiquement au point, tactiquement et techniquement aussi. Mais nous nous posons la question au regard de certains noms que nous sommes en train de voir sur cette liste de présélection. Est-ce que le sélectionneur principal, Christian Tsengibiembe, sait vraiment où il veut aller, parce que il joue en tout cas son avenir pour ce match du 25 mars contre le Gabon. Mais je sens quand
quand même hein, une touche d'un des adjoints de Christian Tengi Biembe par rapport à cette présélection de Moukoko Tonombe. Je l'ai dit, ça a été annoncé par son club Young Africans. Et c'est le coach Zaira Mouini. Zaira Mouini qui a été entraîneur également de Young Africans. C'est lui qui a recruté bon nombre de Congolais qui sont partis là-bas. Malheureusement, il a été chassé pour insuffisance des résultats et on l'a gardé encore au niveau du staff technique des Léopards de la République démocratique du Congo. Nous nous sommes toujours demandé pourquoi ce coach qui ne montre pas beaucoup de résultats, il a été dans Daring Club Motema Pembe, il est parti à Young Africans, c'était échec sur échec. On lui a donné l'équipe nationale A prime, échec sur échec, une humiliation, élimination contre le Congo Brazza. Après un 0 but partout à Brazza, on vient ici, on est éliminé au Stade des Martyrs, un but partout, un coach insuffisant mais qui fait partie du staff technique et c'est probablement sous son influence que Christian Tengi Biembe a peut-être présélectionné Moukoko Tonombe. Nous n'avons rien contre Moukoko Tonombe mais je pense quand même que le championnat tanzanien n'est pas en tout cas au-dessus du championnat congolais. Je préfère encore qu'on prenne des joueurs qui évoluent ici plutôt que prendre un joueur qui évolue en Tanzanie et le mettre en équipe A au moment où nous cherchons la qualification avec ces deux matchs qui nous restent. C'est vrai, vous allez nous dire qu'il s'agit simplement d'une présélection, mais moi j'ai toujours pensé qu'il faudrait déjà présélectionner ceux qui sont à même d'être sélectionnables pour le match que nous recherchons, hein, et non commencer à tâtonner, et ce n'est pas vraiment bon. En tous les cas, félicitations à Moukoko Tonombe par rapport à ses prestations, être plébiscité en Tanzanie, 3 mois d'affilée comme meilleur joueur par son club, je pense que ça signifie que quelque part il a progressé. C'est aussi un joueur sur qui l'ASV Club comptait beaucoup. Il était titulaire dans l'ASV Club de Jean-Florent Ibengue qui raffole hein, des joueurs de son profil et je pense que son évolution ne va pas trop étonner tous les V-clubiens. Et d'ailleurs hein, en Tanzanie peut-être que le niveau n'est pas un peu moins qu'ici hein, on doit le reconnaître même si c'est vrai que il y a un club qui sort du lot en Tanzanie actuellement, c'est Simba SC qui a d'ailleurs battu l'ASV Club ici dans le cadre de la première journée de la Champions League africaine phase des groupes dans le groupe A. Et Simba SC avait également fait jeu égal avec le tout puissant Mazembe, 0 but partout dans le cadre du tournoi international amical organisé par lui-même. Hein. C'était Simba Super Cup et c'était un score de 0 but partout après avoir battu Al Hilal du Soudan 4-1. Je pense que le football tanzanien, c'est vrai, évolue, mais on peut pas affirmer aujourd'hui que ce soit à un plus grand niveau que le football congolais. La preuve, hein, c'est qu'au championnat d'Afrique des Nations, la RDC en a remporté 2. Nous avons été éliminés aux phases des quarts de finale alors que la Tanzanie a été éliminée bien en avant. Néanmoins, nous respectons quand même le choix du sélectionneur principal. Nous attendons sa liste hein, définitive. Hein, les joueurs, en tout cas, qui vont être choisis, qui seront sur la feuille du match contre le Gabon notamment. Et pour pouvoir juger, mais nous jugerons en tout cas sur le terrain parce que c'est le résultat seul que nous attendons. On peut aussi prendre les joueurs évoluant dans des meilleurs championnats titulaires, mais venir perdre aussi. Ce sera en tout cas un match difficile au staff technique de se concentrer et de nous prendre les meilleurs entre nous tous. C'est un ancien de V-Club, comme je l'ai dit, Moukoko Tonombe, qui est parti en Tanzanie ensemble avec Rossien Tusila et visiblement, il évolue très bien. On lui souhaite toutes les bonne chance, on espère hein, que son évolution lui permettra en tout cas d'être détecté par d'autres formations pour une plus grande progression encore. Hier, nous avons parlé de Yannick Bangala, aujourd'hui de Moukoko Tonombe. Nous allons parler encore d'un autre et c'est l'habitude que nous nous donnons ici dans votre chaîne YouTube DMTV. Tout en vous rappelant aussi que DMTV va amuer dès le 1er mars prochain en une chaîne d'information générale hein, et ça deviendra DMTV Info. Et
Et pas de panique, hein. Le sport continuera en tout cas à garder une place de choix ici parce qu'on vous a habitué à vous donner des informations sportives, hein. Nous en raffolons aussi, nous sommes tous passionnés tout comme vous, mais néanmoins nous allons ajouter d'autres informations également, histoire de généraliser un peu notre champ. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Vous avez une opinion, un point de vue à partager avec nous, laissez-nous un commentaire. Merci aussi de vous abonner à cette chaîne DMTV et d'activer également la notification. Juste un clic sur cette petite cloche que vous voyez apparaître, elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.